Allez, ce qui est important dans le Grand Cactus, c'est aussi d'avoir votre avis. Après la voix des étudiants, après la voix de la ministre de la Santé publique, eh bien, on vous donne la parole. On a envie de connaître votre avis sur la politique de Maggie Debloc. Et c'est Freddy Tougo qui est allé à votre rencontre. Ça va être quelque chose. Oui, Jérôme, Adrien, madame et monsieur, tout le monde. J'ai une fracture du numérus clausus. J'ai mal à ma clé de répartition. J'ai le cathare du reçu collet. On va parler du problème des étudiants en médecine. Et pour ce, on a décidé de se faire soigner. Pour venir à Soigny, on était tous d'accord, c'était une décision collégiale. Vous connaissez le problème des étudiants? Bah quand même, oui. Un numéro clausus. Le numéro clausus, voilà. Oui. Donc c'est madame de Bloc, hein. Oui, ça oui, ça je suis au courant. La ministre, vous voyez? Oui, tout à fait. On la voit bien, hein. On la voit bien. Ouais. On ne peut pas la louper. Voilà. Il y a 40% pour les Wallons et 60% pour les Flamands. Hein. Ah ben c'est la doctoresse, là, Maggie. Mais... Miss Maggie. Oui. Maggie, notre chère Maggie, le docteur Maggie. Venez chez moi, je serai vous guérir. Chez Maggie de Bloc. En tout cas, ici, on est bien soigné. C'est une chaussure. Bonjour, fort bien, et vous-même? Numerus clausus, ça vous fait penser à quoi? Numéro commun, quand même. Numerus clausus. Ça vous dit rien? C'est du latin, hein. En fait, c'est pour les étudiants en médecine. Oh, mais avec une tête. Heureusement pour les patients, hein. Vous connaissez Maggie de Bloc? Maggie de Bloc, c'est qui? Comment? La gloche. Oh ben, on ne dit pas ça, hein. Il y a bon plus sens. Pour les Flamands que pour les Wallons. Et comment ça se fait? Ça a toujours été. Non, c'est pas compliqué. Non, ils ont fait une clé de répartition. Gros salaire, nouveau. Petite pension ici. Ça, c'est la meilleure des explications. Parce que les Flamands sont vraiment plus malins que les Wallons. Ils sont plus malades que nous. Ah, mais tu me flammes à tout. Ça, c'est flamand. Hein. Personne ne se voit ni, hein. Il faut dire qu'ils ont la mer tout près aussi. L'air n'est pas le même, c'est ça. L'iode, oui, c'est tout. Tandis que nous, on a les usines. Voilà. Enfin, de moins en moins. Oui, oui. Si je vous dis numerus clausus. Oui, c'est pour le médecin. Bim. Ici, à Soigny, on est bien renseigné. Oui, mais il manque de médecins. Il manque des médecins pour vous soigner. Bien sûr. Pour soigner, il en manque. Oui, pour soigner les gens. Oui. Ah oui, je suis concernée par mon petit-fils. Il a été reçu. Il n'a pas été collé? Non. Fatalement, les médecins viennent ici pour soigner. Pourquoi viennent-ils à soigner? Ben, soigner les gens. Plus qu'ailleurs. Ils finissent par soigner les gens. Par soigner les gens. Oui, ben, c'est là qu'ils doivent arriver. Et votre petit-fils veut faire carrière à soigner. Carrière où? Carrière à soigner les gens. À soigner les gens? Oui, c'est ça. On peut marcher un petit peu, si vous voulez avancer. Hein. Non, ça va, non, je vais bientôt vous quitter. Non, vous avez encore quelques belles années devant vous, vous savez. Dites-donc, c'est un petit plaisantin, vous. Petit, vous avez vu la taille que j'ai? Donc, vous dites qu'il y en a trop. Non, il n'y en a pas assez. Non, il y en a non, trop, y a en fait. Pas assez... C'est ça le complexe. Il n'y a pas assez de médecins sur le terrain, mais finalement. Mais on dit qu'il y en a trop. On dit qu'il y en a trop pour ressortir. Trop d'étudiants, c'est ça, hein. Ouais. Il n'y a pas assez de place. Trop d'étudiants, pas assez de médecins. Pas assez de numéro de clausus à distribuer. Je ne sais pas comment est-ce que ça marche, moi, ça marche. C'est compliqué. C'est compliqué. Expliquez-nous un petit peu. Ça me rend malade, moi. Oui, et eh bien voilà, nous avons fait le tour de la question et on voit, en fait, les gens n'ont pas tellement besoin de médecins. Après, c'est chochotte de rugbyman. Jérôme, on va conclure cette thématique.